Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Poutine, et je sais qu'il y a en plus beaucoup de personnes qui croient en Poutine. Alors, Ouais. Alors vous, vous êtes quand même un de ceux qui avaient débunké Poutine, hein. Déjà en nous expliquant qu'il était citoyen d'honneur de la City, qu'il était... Ah, je ne fais que reprendre des Ouais. choses tout à fait officielles. Ouais. Mais... Et aujourd'hui, cet acharnement contre les Russes n'a même plus l'excuse de la lutte anticommuniste. Donc c'est vraiment la marche en avant de l'impérialisme américano-sioniste qui essaye effectivement d'imposer son nouvel ordre mondial en écrasant toute résistance multipolaire. Et on voit bien aujourd'hui que l'ennemi à abattre, c'est Poutine, sa vision du monde et la Russie. Et que ce qui légitime un peu plus notre soutien à ce résistant fondamental. Et là, je ferai une petite remarque pour Pierre Hillard. Récemment, un diplomate américain de premier plan a bien dit que Poutine, par sa résistance à l'opération, je dirais, ukrainienne, avait trahi le nouvel ordre mondial. L'annexion par la Russie de la Crimée semble signifier la fin d'une période de 25 ans, dont la marque fut un effort pour amener la Russie à un alignement accru sur les objectifs et traditions euro-atlantiques. L'adhésion de la Russie au nouvel ordre mondial, bien que problématique, a été l'une des grandes réalisations de l'après-guerre froide. Les Américains doivent comprendre que le défi auquel ils sont confrontés est celui d'une Russie qui n'est plus intéressée par ce que l'Occident lui a offert ces 25 dernières années. La fin du nouvel ordre mondial, Christopher Hill, 21 avril 2014. Hein? Donc nous nous en réjouissons, et effectivement ça justifie qu'on ait placé un peu nos espoirs dans Poutine. Effectivement, il trahit le nouvel ordre mondial, et tant mieux. Voilà. Que toute la politique de Poutine correspond au mondialisme, parce que Poutine veut... Alors, il faut lire le discours de Valdaï, qui est très intéressant. Poutine veut l'instauration d'union régionale. Et ma foi, je vais reprendre ce que j'ai écrit dans une note de bas de page. Il faut que je retrouve le passage. Alors, dans son discours de Valdaï du 24 octobre 2014, Poutine reconnaît la nécessité d'un nouvel ordre mondial, la création de puissantes unions régionales, de règles communes acceptées par tous permettant d'assurer la stabilité et la sécurité entre les centres régionaux, interdisant ainsi la politique d'un cavalier seul, sous-entendu les anglo-saxons. Dans cette histoire, après la chute du mur de Berlin, le monde russe était, les élites russes étaient acquises au nouvel ordre mondial et à ce qu'on appelait la maison commune. Mais les anglo-saxons ont trahi, c'est pas le monde russe, quand je dis monde russe, les élites russes, c'est les élites anglo-saxonnes qui ont trahi les engagements pris au lendemain de la chute du mur de Berlin, puisqu'il était dit, entre autres, que l'OTAN ne devait pas progresser vers Progresser l'Est. vers l'Est, ouais. Donc il y avait un partage du gâteau. Dans cette histoire, ce sont les Russes qui ont été trompés, enfin les élites russes, parce qu'il faut toujours faire une distinction, et ce sont les élites anglo-saxonnes qui ont trahi les engagements qui avaient été, entre autres, adressés à Gorbatchev, que les armées de l'OTAN n'allaient pas aller jusqu'à Saint-Pétersbourg, enfin Saint-Pétersbourg jusqu'en Estonie, bon, et jusqu'en Roumanie-Bulgarie. Donc dans cette histoire-là, ce sont les anglo-saxons qui marchent sur les plates-bandes des élites russes. Parce que dans cette histoire du nouvel ordre mondial et de la maison commune qui avait été établie au lendemain de la chute du mur de Berlin, il y avait ce qu'on appelle une répartition des zones d'influence et des intérêts. Je te donne ça, tu me donnes ça. Et dans cette histoire, les élites anglo-saxonnes marchent sur les plates-bandes des élites mondialistes russes qui ruent dans les brancards. Et je les comprends, puisque les accords ont été violés par les anglo-saxons. Et donc, c'est ce que dit Poutine. Il dit, et il faut reprendre le discours de Valdaï que j'ai lu crayon à la main, qu'il veut comment dire, des centres régionaux. Donc stabilité et sécurité entre les centres régionaux, interdisant ainsi la politique d'un cavalier seul, sous-entendu les anglo-saxons qui, en fait, veulent tout rafler. Les anglo-saxons veulent être, les anglo-saxons, et aussi des oligarques juifs qui sont au sein des enfin, au sein des équipes anglo-saxonnes et qui s'opposent à des élites juives qui, elles, soutiennent le monde russe. Et alors, c'est très intéressant, je cite un article du Times of Israel du 5 avril 2014 intitulé, je cite, Les Juifs de Russie et d'Ukraine sont en guerre. Et cet article très intéressant dit que les élites juives d'Ukraine, soutenues par l'Occident, sont en guerre contre les Juifs de Russie qui, eux, soutiennent Poutine, Poutine. En fait,
On assiste dans cette histoire à des guerres entre clans juifs, entre les juifs libéraux, les juifs orthodoxes ou Lubavitch. D'ailleurs, c'est très intéressant de savoir que c'est le rabbin Lubavitch Ber Elazar qui est du côté de Poutine. En fait, ce sont des rivalités entre clans juifs au nom de la Russie, au nom de l'Ukraine, au nom de l'Union européenne, au nom du monde anglo-saxon. Et donc, dans cette histoire, les anglo-saxons veulent rafler la mise et les élites russes veulent leur part du gâteau qui, pour le moment, se fait grignoter gentiment. Donc j'ajoute ceci, il veut à sa manière gérer efficacement le nouvel ordre mondial, pas le détruire. Il le dit bien, Poutine, dans son discours de Valdaï, il ne veut pas l'anéantissement du nouvel ordre mondial, il veut au contraire le gérer. Этот опыт и в дальнейшем, как при решении локальных, так и глобальных проблем. Какой может быть правовая, политическая, экономическая основа нового миропорядка, которая обеспечила бы стабильность и безопасность, и при этом поощряла бы здоровую конкуренцию, не допускала формирования новых монополий, блокирующих развитие. Et d'ailleurs, il a lancé la communauté économique eurasienne, qu'il veut Union eurasienne supranationale, document officiel qu'on trouve sur les sites de l'AFP russe, enfin bon, la version AFP russe. Mais simplement, cette union eurasienne qui veut supranationale, avec pour le moment la Russie, le Kazakhstan et la Biélorussie, eh bien, se fait bouffer par le monde anglo-saxon qui veut étendre son. En fait, c'est Océania qui bouffe le parterre d'Eurasia qu'on voit dans le bouquin de 1984. Bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur Poutine, la Russie et le nouvel ordre mondial, parce que j'en ai un peu ras-le-bol. De voir cette pseudo-dissidence en fait appelée à soutenir Poutine alors que Poutine en fait est complètement part du nouvel ordre mondial. C'est assez bizarre qu'on révèle pas toute la vérité. Voilà, il suffit de s'en référer aux faits, c'est pas très compliqué, de regarder un peu ce qui se passe, de regarder les éléments du passé parce qu'on a déjà eu deux guerres mondiales, donc il y en a une troisième qui se profile, mais il faudrait peut-être un petit peu regarder ce qui s'est déjà passé pour comprendre un peu ce qui se passe actuellement. Voilà. Donc là, ça fait presque 15 ans que Poutine et Medvedev sont au pouvoir en Russie. Et on sait très bien, c'est quand même pas facile pas difficile à voir, que Poutine et Medvedev sont soutenus en fait par les oligarques. Parce qu'en Russie, en fait, plus qu'ailleurs, il y a des disparités entre les riches et les pauvres. Il y a à peu près 110 oligarques en Russie qui contrôlent en fait plus d'un tiers de la richesse russe. Voilà. Il faut pas être très intelligent pour comprendre que si jamais Poutine allait contre les oligarques, et si même il allait contre le nouvel ordre mondial, Poutine serait déjà mort. Voilà. Tout le côté pseudo-chrétien, tout le côté pseudo-anticorruption de Poutine, c'est du théâtre. C'est comme l'UMP et le PS. Enfin, il y a un moment où il faut ouvrir les yeux. Il y a peut-être deux camps, mais c'est deux camps qui pensent la même chose. Voilà. Sauf que d'un côté, en fait, on a les États-Unis et l'Europe, qui, en fait, sont capitalistes, mais vont vers le socialisme, et de l'autre côté, en fait, on a donc l'URSS qui, depuis la chute du mur, va vers en fait plus de capitalisme. Voilà. Donc ça permet en fait d'arriver à une convergence, comme beaucoup de personnalités du nouvel mondial l'ont dit. Ça permet en fait d'arriver à une convergence qui permettra en fait de fusionner l'Est et l'Ouest. Voilà, c'est ça la technique. En fait, le nouvel mondial, c'est un système hybride qui mêle à la fois donc le capitalisme, en fait, pour les grands groupes financiers, les grands groupes capitalistes mondiaux, donc qui permettent en fait aux élites en fait de contrôler en fait toute la richesse mondiale. Et pour le peuple, par contre, c'est le communisme en fait. Le crash économique qui arrive en Europe et aux États-Unis, c'est bien entendu voulu. C'est pour permettre un rééquilibrage en fait avec les pays émergents. Voilà, donc c'est un peu les pays BRICS face en fait à l'Europe et aux États-Unis, qui sont des pays plus riches. Donc en fait, il y a un rééquilibrage au niveau économique qui va permettre en fait d'installer une monnaie mondiale. Voilà, une économie mondiale. On va voir un petit peu le cas de Poutine. Poutine, il faut savoir que Poutine est juif, par sa mère qui s'appelle en fait Maria Ivanovna Shalomova, et son père donc qui a le prénom de famille Epstein. Donc ça a été prouvé en fait dans une interview d'un des oligarques. Un des oligarques les plus importants de Russie, qui s'appelle Abramovitch. Donc il a, dans une interview en 2005, il a dit que si Poutine le souhaitait, il pourrait être citoyen israélien. En prenant l'avion pour Paris, j'étais dans l'avion avec Alexandre Adler, qui m'a fait la grande révélation que le père de Poutine, en fait, tenez-vous bien, était un juif. Était agent du KGB. Il a notamment travaillé
en Allemagne de l'Est. Voilà. Il est devenu en fait lieutenant-colonel du KGB, où il est resté jusqu'en 91. Puis il a obtenu en fait des responsabilités au Kremlin, avant d'être nommé en fait à la tête du FSB en juillet 98. Un an plus tard, donc en août 1999, il reçoit donc coup à coup beaucoup de promotions. D'un coup, en fait, il devient l'homme important de la Russie en quelques mois. La vraie raison, en fait, c'est que Poutine, en fait, a rencontré deux grands oligarques russes. Donc, c'est Abramovitch et Berezovski. Donc, Berezovski, en fait, Poutine a été voir plusieurs fois Berezovski en Espagne de manière illégale. Donc, il était à l'époque chef du FSB. Il est allé retrouver Berezovski en bateau là-bas. Donc ça a été noté en fait par les renseignements espagnols. Il l'a retrouvé là-bas en fait pour préparer en fait son ascension au pouvoir. Berezovski, qui avait déjà mis au pouvoir Eltsine, donc demande à Eltsine de déposer le pouvoir, de quitter le pouvoir en faveur de Poutine. Donc c'est ce qu'il fait le 31 décembre 1999, alors que tous les Russes s'attendaient à ce que le président leur souhaite des vœux de bonne année. Le président Eltsine annonce qu'il quitte le pouvoir et qu'il donne ce pouvoir, donc le pouvoir présidentiel, à Vladimir Poutine. Quelque chose d'intéressant à noter, c'est que 10 jours avant que Poutine prenne le pouvoir, donc c'était en décembre 99, le 20 décembre je crois, donc Poutine, en fait, face à une assemblée du FSB, a déclaré que le FSB attendait depuis longtemps de prendre le pouvoir et que maintenant c'est chose faite. Donc en fait, il a dit ça devant le FSB, donc 10 jours avant de prendre le pouvoir, alors que donc personne ne savait encore qu'il allait prendre le poste présidentiel en Russie. Группа сотрудников ФСБ, направленные вами для командировку для работы под прикрытием правительства, на первом этапе со своими задачами справляется. Les oligarques ont aidé en fait le FSB à prendre le pouvoir. Voilà. Poutine a donc été président 2 fois, de 2000 à 2008, parce qu'en fait il y a une règle en Russie qui oblige à partir en fait après 2 fois. Donc il est devenu premier ministre ensuite. Il était premier ministre de Medvedev. Puis il a été réélu donc en 2012 jusqu'en 2018. Voilà. Alors, que faisait Poutine au KGB? Donc en fait, il était dans le 5e département. Donc le 5e département du KGB, c'est le département responsable de la suppression des dissidents à l'intérieur de la Russie. Donc voilà, faut bien comprendre que Poutine a du sang sur les mains. Enfin, c'est pas anodin. D'ailleurs, ça a été vérifié avec le meurtre de Litvinenko. Donc c'est un ancien agent du FSB. J'ai une citation intéressante de Constantin Preobrazhensky. Donc c'est aussi un ancien agent du FSB, donc il a dit ça le 27 novembre 2006 à CNN. Il a dit: je n'ai pas d'hésitation en disant qu'il a été tué par Vladimir Poutine, qui le considérait comme son ennemi personnel. Poutine est très vulnérable à la critique. Il a un complexe d'infériorité. Et Litvinenko savait beaucoup sur Poutine, sur ses revers, sur ses connexions avec certaines forces politiques qui ne sont toujours pas dévoilées actuellement, parce que Litvinenko connaissait Poutine personnellement. Et Poutine fut la personne qui renvoya Litvinenko du FSB. Voilà. Donc ça montre bien que Litvinenko, enfin Poutine avait peur que Litvinenko parle sur les forces qui lui ont permis de prendre le pouvoir. Il n'y a rien d'étonnant à noter enfin, sur le fait que plus de 90% des hommes politiques et de l'administration de Poutine viennent justement des services de sécurité et des services secrets, donc notamment le KGB et le FSB. Voilà. Intéressant à noter aussi le fait que Kissinger et Poutine sont des très bons amis de longue date. Donc voilà, Kissinger vient souvent rencontrer Poutine. Ça se passe à huis clos, donc on ne sait pas exactement ce qu'ils disent. Bon, on sait très bien tous que Kissinger fait partie de toute la clique du Nouvel Ordre Mondial. Enfin, c'est un secret pour personne. C'est quand même intéressant de voir que voilà, qu'il rencontre souvent Poutine. Je dirais que Vladimir Poutine a eu une victoire de prestige, mais ce n'est pas véritablement une lutte entre lui et Obama. Mais lui, il le voit ainsi.
Moi, j'ai toujours eu une vision un peu différente par rapport à la sagesse des nations. Je crois que ce que Poutine tente de réaliser, c'est une position d'égalité et de respect mutuel avec les États-Unis. Voilà. Poutine a fait passer aussi une loi contre le négationnisme, donc pour contre les personnes qui critiquaient la Shoah. Il a fait passer une loi aussi, la même loi qui oblige en fait les gens à se plier aux décisions de Nuremberg. Et il a ajouté dans cette loi que donc il y aurait en fait des amendes et des peines pour les gens qui ont transmettraient des mensonges concernant l'histoire de l'URSS, donc voilà, enfin pendant que la Russie était l'URSS. Donc voilà, ça montre bien que Poutine souhaite que les gens respectent l'URSS et le communisme. Voilà, c'est assez étonnant. Et donc ça permet en fait de museler la dissidence. Ce genre de crimes ne doivent ni ne peuvent être prescrits. Ils ne peuvent être ni excusés ni oubliés. Toute tentative de taire ces événements, de modifier ou de réécrire l'histoire est inadmissible et immorale. Très souvent, c'est l'envie de cacher sa propre honte qui est à l'origine de ces tentatives. Par lâcheté, hypocrisie ou trahison, toute complicité, directe ou indirecte, avec les crimes nazis est injustifiable. Or, les faits historiques sont irréfutables. Ils témoignent que les bandéristes et autres collaborateurs, que les complices d'Hitler, ont eux-mêmes participé à l'extermination du peuple juif, à l'élimination des juifs de Lviv, d'Odessa, de Kiev et d'autres villes ukrainiennes. Maintenant, on va un peu étudier Dmitri Medvedev. Donc, Dmitri Medvedev, c'est quand même la personne avec Poutine qui forme le tandem au pouvoir depuis 15 ans. Donc en fait, Dmitri Medvedev a aussi une mère juive. Voilà, sa mère a été vue plusieurs fois donc à la synagogue de Moscou, donc il n'y a aucune question à avoir là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que, étant donné que c'est pas très bien vu d'être juif au pouvoir actuellement, en Russie, vu ce qui s'est passé avec le communisme, où comme l'a dit Poutine, 80% des chefs communistes étaient en fait des juifs. О национализации этой библиотеки было принято советским правительством, первым советским правительством, и членами его являлись примерно на 80-85% евреи. Но они же, руководствуясь ложными идеологическими соображениями, шли тогда на аресты и репрессии. И иудеев, и православных, и представителей других конфессий, мусульман, они всех гребли под одну гребенку. И вот эти идеологические шоры и ложные идеологические установки, они... Vu que c'est mal vu, en fait, Medvedev a démenti en disant non, non, je suis arménien, nanana. Et ce qui est drôle, c'est que les Arméniens ont immédiatement démenti en disant que non, non, Medvedev n'était pas un Arménien. Donc sur Medvedev, il y a aussi un autre élément intéressant à rapporter. C'est à la fin du G8, donc un G8 qui s'est passé en Italie. Donc à la fin du G8, le 10 juillet 2009, Medvedev a présenté en fait un exemplaire de la monnaie mondiale en disant que voilà, le G8 travaillait à l'installation d'une monnaie mondiale et donc qu'ils étaient fiers de travailler là-dessus. Que la devise était unité dans la diversité. Donc voilà. This is a constant subject for our discussions, and we are discussing the questions of setting up a new set or emergence of new set of reserve currencies, including possibility of emergence of ruble as such a currency, even if it's not reflected in our declarations, and the question of supranational currency. Incidentally, I can probably have good news to you. In my pocket there is a supranational coin, which was a gift given to me. And this is one unit of testing, probing unit. Unity and diversity it's referred to, and it's referred to as
international currency, united future world currency. Here it is. You can already take a look at it and even touch it. What it tells us is, indeed, this is a probe, a gift, but people are thinking on it, and most probably one day we'll see something like that happening. You can use it, hold in your hand, and use it as a means of settlement. And this coin was given a special standard of the rules of its circulation. This is a symbol of our unity. Jointly tackled such problems. Therefore, this is it, international currency. Ça montre bien que la Russie travaille avec les grandes nations du G8, dont la France, dont les États-Unis, pour en fait faire advenir une monnaie mondiale. D'ailleurs, ça a été confirmé plus tard par Medvedev, puisqu'il a dit au Forum économique international de Saint-Pétersbourg le 18 juin 2010. Donc je cite, « Nous vivons vraiment un moment unique et nous devons l'utiliser pour construire une Russie moderne, prospère et forte, une Russie qui sera cofondatrice d'un nouvel ordre économique mondial. » Donc voilà, il dit cofondatrice, ça veut dire qu'il travaille main dans la main, c'est clair. Voilà. Bon, maintenant je vais parler un petit peu de l'Église orthodoxe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais Poutine, quand même, c'est un chrétien, Poutine... » Poutine, il défend les chrétiens, voilà, c'est un conservateur, voilà, c'est quelqu'un de bien. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe vraiment. Donc alors, qui est le chef de l'Église orthodoxe? Donc actuellement, donc en fait, c'est le patriarche Cyril depuis février 2009. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les archives soviétiques qui ont été révélées, on a appris que c'était un agent du KGB. Tout comme son prédécesseur Alexei. Voilà, Alexei, il avait comme nom de code Drozdov. Et le nom de code du patriarche Cyril, donc le patriarche actuel, c'est Mikhailov. Voilà. Donc les deux sont des agents du KGB. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que les deux autres candidats qui ont été présentés lors de l'élection face au patriarche Cyril, donc ils étaient trois candidats, étaient donc les trois candidats étaient donc des agents du KGB. Voilà, je vais faire un petit lapsus, j'ai dit des anciens. C'est marrant de noter que même Poutine lui-même disait qu'en fait on ne quitte jamais le KGB, on quitte le KGB que les pieds devant. Donc ça montre bien, quand on a un officier du KGB, c'est jusqu'à la mort. C'est pas comme ça, on arrête parce que l'URSS s'est effondré, c'est jusqu'à la mort. Voilà. Donc c'est intéressant de noter que le patriarche Cyril donc est très œcuménique, voilà, donc en fait il pousse vers une religion mondiale. C'est pas quelqu'un qui vit dans la pauvreté, étant donné que le Moscow News a dévoilé sa richesse à environ 4 milliards de dollars. Donc il a gagné sa richesse principalement grâce à l'import de cigarettes. D'ailleurs il y a eu des scandales, beaucoup de scandales à propos du patriarche, notamment pour une photo où on le voyait avec une montre à 30 000 euros. Donc bon, il a essayé de photoshopper la photo, mais bon, c'était trop tard. On sait aussi qu'il a une villa en Suisse. Enfin, c'est quelqu'un qui vit vraiment très bien. Voilà. Il faut noter aussi que c'est un des créateurs de la théologie de la libération, donc qui a été dénoncé d'ailleurs par le cardinal Ratzinger, donc qui est devenu ensuite Benoît XVI. Donc la théologie de la libération qui s'est implantée en Amérique du Sud, donc c'était un moyen de subversion soviétique. C'est-à-dire qu'en fait c'était un mélange en fait de communisme, de lutte des classes et de pseudo-religion. Donc, en fait c'était un moyen de retourner en fait le peuple vers le communisme. Voilà. Donc ce patriarche est un des fondateurs de cette théorie. On peut noter aussi qu'en 1975, donc le patriarche Cyril a nié et condamné la lettre d'un confrère russe qui parlait de persécution de chrétiens en URSS. Voilà. Donc c'est quand même ça montre bien que cette personne est complètement vendue au pouvoir et qu'elle est là juste en fait pour donner une bonne image à Poutine, pour voilà, c'est du décor, c'est du semblant. Voilà. Maintenant qu'on a vu le côté chrétien, on va voir le côté juif. Donc Une des personnes les plus proches de Poutine s'appelle Berel Lazar, donc c'est un rabbin Lubavitch.
Il a été introduit donc en Russie par le KGB. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait, enfin, il est italien d'origine, il a vécu aux États-Unis. Lorsqu'il était aux États-Unis, il a soutenu Bush pendant les élections. Voilà. Et donc en 96, donc le rabbin Béral Lazare est opposé à Vladimir Gouzinski, donc qui est créateur du Congrès juif de Russie. Et donc, comme c'est un oligarque, il est propriétaire aussi d'une grande partie des médias. Et il a d'excellentes relations avec la diaspora juive des États-Unis ainsi que de Grande-Bretagne. Voilà. Donc, en fait, ce que fait le rabbin Lubavitch, c'est qu'il supporte Poutine à l'étranger, en fait. Il fait une propagande pro-Poutine. Et en fait, il est présenté donc à Poutine par deux oligarques, donc Berezovski et Abramovitch, donc c'est toujours les mêmes, ceux qui ont permis en fait à Poutine de prendre le pouvoir. Donc ces deux oligarques qui sont aussi donc Lubavitch présentent le rabbin à Poutine. Et donc Poutine ouvre les portes du Kremlin donc à Béral Lazare et au Lubavitch lors de leur fête annuelle en 2000. Donc ça ne s'est jamais vu auparavant. Il faut noter que les Lubavitch en fait sont en fait des juifs orthodoxes. Donc c'est parmi en fait les plus virulents en fait, les plus pro-messianistes. En fait c'est les messianistes pressés qui veulent agir en fait pour la venue de leur messie. Voilà, le messie juif qui n'est autre que l'antéchrist en fait pour les chrétiens. Le même jour en fait où Poutine accueille les juifs Lubavitch au Kremlin, donc le rival en fait de Béral Lazare, Gouzinski, est arrêté. Voilà. Donc ça montre à quel point on favorise les amis et voilà, ça explique pourquoi en fait dans certains cas Poutine combat les oligarques. Et en fait il combat les oligarques qui sont contre ses amis, qui sont contre ses intérêts. C'est pas les oligarques en général, c'est ceux qui vont contre ses intérêts. Voilà. Donc ensuite, Poutine fait un don de 10 millions de dollars à la fédération de Lazare, donc en septembre 2000. Donc c'est un don, c'est pas avec l'argent personnel de Poutine, hein, même s'il est très riche, c'est pas avec son argent, c'est avec l'argent du peuple. Et donc ce don entraîne d'autres dons des oligarques, dont Abramovitch. En fait, c'est tous les oligarques... tous les oligarques juifs qui sont de tendance Lubavitch, qui donnent en fait pour favoriser leur mouvement en Russie. Voilà. Donc en fait, Béral Lazare obtient très rapidement la nationalité russe. Et donc depuis, en fait, Béral Lazare est le chef de la Fédération des organisations juives de Russie. Donc c'est alors que les Lubavitch sont une minorité en Russie, donc c'est les Lubavitch qui dominent toute la voilà, qui dominent. Toute la tendance, enfin tous les juifs de Russie, voilà. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le chef du conseil d'administration de la fédération est Abramovitch. En fait, Abramovitch, donc celui qui a permis à Poutine d'accéder au pouvoir, celui qui a présenté Béral Lazare à Poutine, et donc c'est le chef du conseil d'administration. Donc c'est un oligarque très puissant. Qui est notamment propriétaire du club de foot de Chelsea. Donc voilà, Abramovitch, c'est marrant parce que il a beau avoir beaucoup d'entreprises en Russie, être propriétaire de beaucoup de choses. Donc il est propriétaire du club de foot de Chelsea, il habite à Londres. Et c'est intéressant de noter, tout simplement, qu'il est membre du comité des 300. Voilà, donc les 300 personnes qui dirigent réellement le monde. Voilà, comme Sarkozy d'ailleurs. Donc en fait, on va maintenant étudier la personnalité de Anatoli Tchoubaïs. Donc c'est intéressant parce que c'est un des oligarques. Un des oligarques qui a été cité par Marie Laforêt, en fait, comme faisant partie d'une organisation criminelle disposant de 250 fois le budget de la France. Donc c'était... voilà, elle a dit ça en 2002. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, j'ai enfin la possibilité, après 8 ans, de dire... Ce à quoi nous avons tous à faire face, tous ici, nous les Français, nous avons à faire face à une organisation extraordinairement
dangereuse et le gouvernement ne peut rien y faire. Une organisation, appelons ça une organisation, qu'il y a une organisation criminelle qui en ce moment a à peu près à sa disposition 250 fois le budget de la France. Ouais. Vous citez le nom de Gobi et le nom de Mimran. Comment, on veut des Français, nous? Et alors, ce n'est pas des Français, bien sûr que ce sont des Français. Je voudrais en rajouter deux. Ouais. Tchoubaïs. Ouais. Tchoubaïs. C'est français, ça aussi? Non, ça, c'est russe. D'accord. Et Morishita, c'est japonais. Ouais. D'accord. Donc, cette personne, Anatoly Tchoubaïs, est d'origine juive, déjà. Il a une fortune d'environ un milliard de dollars. Donc, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas pauvre. Donc c'est une figure incontournable en fait de la politique intérieure russe depuis la chute de l'URSS. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été très importante sous Gorbatchev, sous Eltsine, sous Poutine, sous Medvedev. C'est quelqu'un qui a permis en fait, la fausse transition économique. En fait, qui a permis aux oligarques de profiter de prendre tous les pouvoirs, enfin toutes les places importantes en Russie. Donc en fait, de 2001 à 2008. Il est président du monopole national de distribution d'électricité. Donc voilà, c'est un monopole national. Ça veut dire que c'est russe, c'est quelque part où on met pas n'importe qui. Enfin, c'est forcément, le pouvoir a forcément son mot à dire là-dessus. Ensuite, depuis septembre 2008, donc il dirige le conglomérat d'État Russano, donc chargé du développement de nanotechnologie en Russie. Donc cette décision de le placer là a été prise par Medvedev. Ça montre bien que le pouvoir en fait soutient cette personne. Enfin, c'est pas une personne opposée au pouvoir, c'est évident. C'est une personne de confiance. Voilà. Maintenant je vais montrer un peu son côté un peu plus obscur encore. En plus du fait qu'il a été cité par Marie Laforêt. Donc alors, il est membre du conseil consultatif de JP Morgan depuis 2008. Voilà. Et membre du conseil d'administration mondial du Council on Foreign Relations, donc du CFR, depuis octobre 2012. Et il était présent à la réunion Bilderberg en 2012. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup. Enfin, c'est quand même marrant que d'un côté, cette personne est censée travailler pour les intérêts russes, mais d'un autre côté, participe à toutes les réunions pro-atlantistes et à toute la... Enfin, si soi-disant ces deux côtés sont l'un contre l'autre, comment ça se fait que cette personne soit des deux côtés? Enfin, il y a quelque chose qui cloche, voilà. Mais c'est pas le seul dans son cas. Hein. J'ai trouvé une dizaine d'oligarques russes qui ont participé au Bilderberg. Et j'ai trouvé six personnalités russes, six oligarques, qui sont membres du comité des 300. Là, on parle d'oligarques qui gagnent qui ont une fortune de entre 10 milliards et 20 milliards. Enfin, c'est vraiment des gens très 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 riches. Hein. Enfin, c'est pas n'importe qui. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'Eurasie. Donc voilà, enfin, l'Eurasie, c'est censé, pour certains dissidents, être le panard. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas du tout dans notre intérêt. En fait, l'Eurasie, c'est un des noms qu'a choisi Orwell dans son livre 1984 pour désigner donc les trois continents. Donc les deux autres, c'est l'Océania et l'Estasia. Dans son livre, en fait, l'Eurasie est dirigé par le néo-bolchevisme, donc c'est exactement en fait ce qui se passe maintenant. Voilà, donc en fait c'est juste un des blocs continentaux, enfin c'est la technique des élites en fait de au lieu de directement en fait passer des pays à une union de tous les pays en gouvernement mondial, et en fait ils y vont par étapes, c'est-à-dire qu'ils font plusieurs grands blocs continentaux pour fusionner ensuite ces blocs. En fait c'est l'étape où on est actuellement, c'est pour ça qu'on parle beaucoup du marché transatlantique, du marché transpacifique, de l'ALENA, du Mercosur, de l'Union Européenne, des BRICS, voilà, l'Eurasie c'est juste un des blocs supplémentaires, ça permet de brouiller les cartes des nations, ça permet de faire croire que les nations s'est dépassé, voilà, c'est juste ça. Donc cette théorie géopolitique, en fait, c'est surtout Dugin qui est connu pour en parler. En fait, c'est beaucoup plus ancien. En fait, Dugin, c'est un Brzezinski russe. C'est-à-dire que c'est un théoricien de la lutte contre de l'atlantisme. Alors que de l'autre côté, on a un Brzezinski qui est théoricien de l'expansion atlantiste. Moi, personnellement, ça me rappelle beaucoup la Deuxième Guerre mondiale, où on avait
On avait deux camps qui étaient inspirés d'un côté par Marx, donc pour le côté russe, et d'un côté par Nietzsche pour le côté allemand. Voilà. C'est-à-dire qu'on avait à chaque fois c'est des faux théoriciens qui viennent en fait donner une idéologie pour permettre en fait aux gouvernants d'être suivis par la foule. Voilà, c'est un peu pour vulgariser l'idéologie et être suivi, enfin permettre une propagande plus importante et plus ciblé sur le peuple. Voilà. Moi, j'ai noté aussi personnellement que le symbole du mouvement eurasiatique de Douguin était donc une étoile à 8 branches. Donc c'est un symbole occulte connu qui est appelé l'étoile du chaos. Donc c'est quand même marrant de choisir un symbole occulte comme ça. On sait également que le parti eurasiatique est financé par le Kremlin et que Poutine est très proche de Douguin. Voilà. Il faut noter aussi que ce qu'a dit Douguin dans une de ses interviews, donc il dit qu'en fait il faut une grande mission pour la Russie, et qu'en fait cette grande mission est que la Russie envahisse l'Europe. Voilà. Depuis de nombreuses années, je réfléchissais au problème de l'idée nationale. Et récemment, en analysant des événements qui se déroulent dans le monde, en visitant de nombreux pays européens, j'ai une idée comment résoudre ce problème de l'idée nationale. Je vais l'exprimer ici en tant que proposition ou comme une hypothèse, et ce sera à la société et en premier lieu à l'État d'en juger, de l'admettre ou de la rejeter. L'idée est la suivante. Nous devons envahir l'Europe, la conquérir et l'annexer. Par ailleurs, nous avons déjà une expérience d'une telle expansion en Europe. Lors de la période soviétique, lorsque nos partis communistes, comme le Troisième International, le Comintern, Cominform, faisaient de très bons résultats d'infiltration au sein de parlementaires de pays européens. Oui, c'était un instrument de notre politique étrangère. Aujourd'hui, les temps ont changé et nous ne sommes plus un pays communiste. Cependant, rien n'empêche qu'on se trouve de nouveaux alliés. Actuellement, si nous proposons comme une idée nationale l'annexion de l'Union européenne par l'Union eurasienne, l'expansion vers l'Europe, alors nous pourrons vraiment nous réunir autour d'un but véritablement grand. Vous vous rendez compte? Annexer l'Europe, ça c'est russe. Je l'expliquerai plus longuement dans une autre vidéo, mais en fait ce plan-là, c'est le plan du KGB, c'est un plan à long terme. Et en fait, ce que dit Douguin, en fait, n'est que le reflet de la pensée du KGB. Voilà, c'est juste ça. Je vais parler rapidement maintenant des BRICS. Voilà, les BRICS, donc c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Voilà, ce bloc-là en fait des fréquents appels à installer un nouvel ordre mondial. Il parle aussi en fait de changer la monnaie de réserve du dollar pour installer leur monnaie. Ça c'est juste aussi une propagande pour familiariser les gens avec le fait que le dollar c'est terminé et qu'on va passer à quelque chose d'autre. En fait on va passer à une autre monnaie qui sera soi-disant amenée par le bon côté, c'est-à-dire le côté russe et chinois. Donc en fait il faut bien comprendre dans cette perspective, c'est l'Est en fait, l'Est où le soleil se lève, c'est le renouveau. La banque centrale russe fait partie des 60 banques centrales sous le contrôle de la banque de règlements internationaux. Donc en fait cette banque, c'est la banque centrale des banques centrales. La Russie en fait partie depuis 1996. Donc c'est-à-dire que tous ces flux monétaires sont complètement dirigés par cette banque. C'est-à-dire que la Russie ne peut pas faire ce qu'elle veut. Si jamais l'Ouest trouve que la Russie va trop loin, il peut la couler en deux minutes. Vu que étant donné que cette banque dépend principalement à la base de la Banque d'Angleterre et de la Banque de France, on peut très bien couper les vivres en fait à la Russie. C'est absolument pas ce que veulent les élites. Hein. Enfin, c'est pas du tout ce qui est voulu. Cette banque des règlements internationaux, comme l'avait dit Quigley dans son livre, c'est vraiment l'apex, enfin c'est le sommet du système. C'est vraiment eux qui dirigent tous les rênes financiers. En guise de conclusion, en fait, je dirais que Poutine est à la fois donc la marionnette des rabbins Lubavitch, puisqu'ils lui ont permis de prendre le pouvoir. Donc en fait, ils attendent
ils attendent une aide de la part de Poutine en guise de récompense, ainsi que de la franc-maçonnerie juive. Donc la franc-maçonnerie juive qui a aussi à sa tête les Lubavitch. Les Lubavitch en fait ne sont rien que les pharisiens des temps modernes. C'est ce que Jésus a appelé la synagogue de Satan. Rien d'étonnant au fait que les présidents russes aient placé à tous les postes des oligarques Lubavitch. Et que Poutine est placé aussi dans son entourage, dans tous les postes administratifs des anciens officiers du KGB, puisque comme on l'a vu, le KGB était en fait complètement infiltré par la franc-maçonnerie. Donc en fait, il faut absolument rien attendre de Poutine. Ce serait complètement stupide de penser que Poutine est le sauveur de l'Occident. Il faut pas se fier à la fausse façade de moralité de la Russie, alors que nous, en fait, on est complètement détruit au niveau des valeurs. Mais ça, c'est volontaire. C'est une subversion, une démoralisation en fait communiste qui agit avec l'aide de la franc-maçonnerie en Occident. Donc d'un côté, en fait, on détruit l'armée, on détruit les mœurs. Et on publie des scandales, c'est grâce à Wikileaks, à Assange d'ailleurs, qui est en Russie, alors que de l'autre, en fait, on donne dans les médias soi-disant dissidents une image de la Russie forte avec des valeurs, et on renforce l'armée, alors qu'en France, on fait tout pour détruire l'armée, bizarrement, alors qu'on veut rentrer en conflit. Enfin, on voit vraiment la traîtrise des élites occidentales. Il faut pas se fier, en fait, à cette belle image qu'on nous donne de la Russie. Moi, ça me rappelle vraiment la Révolution française, où plein de nobles se faisaient avoir par le discours des Lumières, comme la Révolution russe aussi, où des gens ont pensé que ça allait peut-être améliorer leurs conditions. Forcément, les élites, ils vont pas nous montrer le mauvais côté de la Russie, si c'est la Russie qui doit diriger le nouvel ordre mondial. C'est logique. Il faut forcément que le nouvel ordre mondial donne envie aux gens. Donc c'est pour ça que en fait, l'ancien ordre mondial, donc l'Occident, qui se fait détruire parce qu'il est chrétien et que c'est l'ennemi des Juifs, est déprécié. Donc en fait, on montre une Russie complètement forte et largement supérieure à l'Occident, parce que justement, le but, c'est d'écraser l'Occident. Voilà, j'espère que vous avez compris la stratégie. Donc le but de tout ça, c'est la victoire facile de la Russie contre l'Occident, qui est détruit de l'intérieur, en fait. Et en fait, pour en fait provoquer une installation rapide d'un nouvel ordre mondial communiste. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir été attaqué physiquement, militairement, l'Occident est déjà détruit. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, vous pensez, si jamais on est appelé par François Hollande pour aller se défendre la France, vous pensez que les gens sont vraiment volontaires pour aller combattre? Moi, je pense pas. Je pense que là, on est tellement démoralisé et qu'on confond tellement le pouvoir en place avec la France que voilà, on est complètement le peuple français complètement démoralisé. Pour moi, en fait, les élites utilisent en fait la technique de Sun Tzu quand il dit en fait remporter sans victoire et en sans combat n'est pas ce qu'il y a de mieux. Soumettre l'ennemi sans combattre est ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi à la guerre, le mieux est de s'attaquer au plan de l'ennemi, puis de s'attaquer à ses alliances, puis de s'attaquer à ses armées. Le bon stratège soumet l'ennemi sans combattre, s'emparer des villes ennemies sans les attaquer, détruit le pays ennemi sans mener d'opérations prolongées. Il doit lutter pour la possession du monde, de manière à ce que le courage de ses soldats ne s'émousse pas, et que tout soit à son avantage. Ceci est l'art de l'offensive par les plans. Voilà, comme je l'ai montré, les Russes ont un plan qui correspond, en fait, c'est le plan du KGB, c'est le plan du KGB franc-maçon. Donc voilà, Poutine suit vraiment le plan franc-maçon. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et j'espère en refaire une autre bientôt. Merci à tous.